Docteur Mini, la situation de l'homme rose est détériorée après que l'Amérique et l'Angleterre ont bombardé Yémen. Qui est United Seychelles, si quoi, tu dois être position Cécile de sa situation? De début, l'étant Lloyd Austin, secrétaire de défense américain, qui annonce bon pays dans la coalition, nous faisons sortir un press release pour demander au gouvernement pour venir devant pour dire nous quoi qui peut arriver, qui qualité l'agrément qui est signé, qui commitment pour m'aider au CCL. Et pareil, nous connaissons, SBC, pour ne pas passer sa press release. Nous exigeons qu'il y ait un site d'urgence pour discuter de sa situation dans l'Assemblée nationale. Et pour ne pas une personne qui explique à l'Assemblée nationale, il refuse de faire la guerre déclarée. Et la question fondamentale aujourd'hui, c'est est-ce que CCL est techniquement en guerre avec Houthi? À cause du fond parti et coalition. Et si oui, qui mesure peut être mis en place par le gouvernement pour protéger la population de ces lois? Nous sommes encore une fois contre l'Assemblée, nous sommes demandé un meeting isant, et encore une fois, le speaker de l'Assemblée nationale par les causes de là. Le président lui-même, dans une presse conférence, il ne pas demandé aucune question au Houthi. Il n'a pas envie d'attendre. Mais il y a un problème réel pour nous. Aujourd'hui, le monde en entier périt, nous, tourisme peut être affecté avec ça. C'est ces lois, ici c'est celle, nos pays, ils peuvent être target légitime à cause de nous faisons partie de coalition qui peut attaquer l'autre juridiction. C'est ces lois qui travel à l'étranger avec un passeport, c'est ces lois. Et aussi, ils viennent victimes et target pour un terroriste. Et l'esprit pas en paix. Ou pas qu'on ait qui leur présente un passeport avec sa réceptionniste Dubaï, s'il n'est pas un Palestinien ou sera un du monde qui sympathise avec Houthi. Ou pas qu'on ait qu'on ait. Ou pas qu'on ait qui plan il peut faire l'eau. Sur so, les nos positions, nous, il y a une qui est simple, claire, c'est celle qui a besoin de sortir de la coalition pour Operation Prosperity Guardian. Et il a besoin de sortir aujourd'hui et de ce avec sa coalition. Nous n'avons pas rien pour nous faire, nous n'avons pas rien pour nous bénéficier. Et quand il y a des rimes qui peuvent sortir, prix de l'huile pour monter, le regard de la réalité, nous comptons bien que nous de l'huile pas sorti. L'Europe, pas passe dans la mer rouge. Diri, pas sorti l'Europe, pas passe dans la mer rouge. Donc alors, sous les, nous pouvons nous une bonne spéculation. À cause du gouvernement, il peut faire et il a besoin de l'argent, il a besoin de masse taxes pour financer son extravagance. Et la façon pour faire ça, c'est donner l'impression que tout ce que tu peux monter, tout ce que tu peux venir plus cher, et c'est avoir permis de la masse plus taxes. Docteur Mini, un mois et demi après ça, l'explosion côté CCL, est-ce que United Seychelles est satisfait avec la façon que sa calamité est gérée? Définitivement, non. Aujourd'hui, un mois et demi plus tard, je crois qu'ils habitent à Petit Paris, ils habitent à Cascade, ils sont beaucoup plus confusés qu'ils ont été le 7 décembre. Il est clair que ce gouvernement n'a pas un plan concret et tous les jours, son position, aussi bien qu'ils soient vansifs, ils sont sans eux. Un jour, je peux donner 1 million de roupies tout le monde, comme un capping 1 million de roupies pour les gens capables de réparer tout le monde. Si de sont 1 million de roupies, then avant du monde avoir autre de l'argent. Et deuxième jour, je viens de dire que nous avons 16 du monde pour gagner 1 million de roupies. Et un jour, je viens de dire que nous, Madame CEO et ESP, qui est dans 451 du monde qui pour gagner 25 000 roupies et qui la plupart là d'en gagner. L'autre jour, le président est venu dire que nous, il y en a 791 du monde. Et les temps passent au terrain, il y en a du monde qui ne vont jamais visiter et je ne peux pas gagner 25 000. Au revoir, c'est ça la réalité. Toute chose est mal gérée à cause d'un gouvernement pas les prendre son responsabilité. United Seychelles, c'est quoi? Qui besoin d'un plan concret, un plan définitif. L'argent, il a érodé pour capable réparer ça là-dedans. Peu importe la cause à l'explosion, peu importe sur la cause. En bas explosif, gouvernement Seychelles est irresponsable. Pour ça qu'il est arrivé. Ils sont responsabilités légales et constitutionnelles pour protéger les citoyens de ces lois contre une telle calamité. Et lui,
il pas fait lui, il fait et tout quelque chose aujourd'hui peut montrer nous qui c'est à cause de négligence. Et aujourd'hui, là nous avons de nouvelles informations, nous comprenons à cause State House pas lui faire l'enquête indépendante. À cause de l'enquête indépendante pour montrer directement c'est le gouvernement qui est responsable pour ce qui est arrivé à CCCL. Alors, nous pensons que toute chose n'est pas bien gérée. Il y en a des gens qui bénéficient vite, mais il y en a des gens qui ont encore pu dormir dans la pluie. Il y en a des gens qui ont encore pu rester à stade limité dans une situation très, très difficile. Il y en a des gens qui ont valambé. Aujourd'hui, nous avons un petit séminaire pour que la situation là-bas. So, en d'autres mots, nous avons respecté après un mois et demi que la plupart, si pas trop, nous avons un cas 7 ans dans un endroit assez décent pour être capable de vivre. Ça n'est pas le cas. Et pas juste la question de cascade. Ou aussi, il y a des autres personnes, par exemple, dans le stade limité, qui ont affecté avec sa goût la pluie. Et je te promets que je pourrai un autre endroit réparer avant le 1er janvier. Je suis encore là-bas. Je te donne un numéro de téléphone par aux officiers de l'Assemblée, LDS, et pour contacter les autres, si aucune quelque chose y a le mal, et le 1er janvier, je ne peux pas sortir. Et qui nous voit aujourd'hui, ça va être pauvre du monde, pécole, ça va être du monde, et personne ne peut prendre le téléphone. Il y en a qui même tiennent les autres téléphones. So, et quand il y a un désespoir pour ben du monde, je ne connais pas what next. Et beaucoup de frustration parmi les autres. Sa situation aujourd'hui, cascade, c'est inquiétant. La quantité de frustration qu'il y en a, du monde est en colère. Un gouvernement qui, de temps en temps, et qui montre la télévision, et cause la langue, nous a MNE, qui veut jouer le rôle exécutif. Quand ça passe au rôle du tout pour une bonne interview et là quelque chose nous est foulé hier soir finalement nous avons dit qui fait cause de situation cascade qui tu dois être le cas from day one mais à cause de dire si les politise tout quelque chose donne des positions au petit bien travail se mène une cause et aujourd'hui cascade là c'est un moment qui nous peut causer il y a un grand mouvement pour organiser une protestation samedi qui peut venir, tout du long Petit Paris. Et nous, United Seychelles, nous pour participer là-dedans en solidarité avec Bandimon Cascade. Et alors, on va demander tout le monde, mes supporters, samedi, venez Cascade pour nous faire une démonstration, pour vous donner un message avec le gouvernement LDS qui nous gagne assez et qui a besoin de prendre ses responsabilités. Docteur Mini, avec tout ça, quelque chose qui peut arriver aujourd'hui, Cécile, qui me dit où voit l'État de nos citoyens, l'État Cécile lui-même en général? Cécile, aujourd'hui, il a une positivité frustrée. Parce que nous passons des frustrations, le gouvernement, pas plus bien de sa pays, très bien mon salaire, il vient un cancan aujourd'hui, l'hôpital, les enfants, puis moi, 7. Dans une semaine, c'est quelque chose qui nous amène d'arriver dans l'histoire de nos pays. Pour les commodités, ils continuent à monter. Hier soir, par exemple, pour aller, Vanguard Marine, Marine Police, je prends un cas manger, j'ai besoin de dormir dans le fer noir à cause du département de la police, pas de payer l'électricité. Vous comprenez, moi, qui est irresponsable, ou qui est irresponsable, qui ou en a un département, gouvernement, qui lit, si vous avez par exemple, il ne peut pas prendre son responsabilité au sérieux. Résultat de l'éducation qui ne fait que sortir, bon résultat au level et level. Encore, il montre une quantité de défaillance. Tourisme et revenu tourisme, il continue à descendre. Et à présent, tout le monde peut resign. CEO STC resign. Gouverneur Central Bank resign. Il y en a encore une des bonnes résignations high profile qui peut venir là. C'est cela pour t'en dire. Il montre qu'il y a un gouvernement en décalage et qui dit qu'il y a assez avec. Et moi, je crois que cette situation est aujourd'hui qui est la meilleure chose qui est capable d'arriver pour nos pays, c'est que ce gouvernement il colle une élection milliers salonnée et laisse les peuples décider si je veux vraiment continuer avec cette situation ou si je veux les changements réels dans le pays.